Alors, toujours le chot Dam al-Khalef dans Yoredea, passage Vav, page 41. Hier, on a commencé à parler de Sfirat HaOmer. Vezeprinat Mashesofrim laOmer. Et c'est pour ça qu'on compte le Omer. En français, ça se dit la supputation du Omer. Qui anafat Omer Seorim Zeprinat Mashemevarim Veosim Lefashot Minahavir Aleder Kisufim Dikdusha. Parce que maintenant, le fait qu'on suppute le Homer, c'est-à-dire qu'on va faire, qu'on prenait la gerbe du blé nouveau, du blé de la nouvelle récolte, et là, on l'a balancé, c'est-à-dire on la faisait balancer devant le misbéar, devant l'autel, dans le Beth Amikdash. Ça, c'est quand on fait ça, c'est le principe de faire le tri. De faire des âmes, c'est-à-dire de prendre les âmes qui sont positives, si vous voulez, dans l'air. C'est-à-dire c'est un tri dans les âmes qui circulent dans l'air, à l'idée qui souffle des Gdusha, par le fait que quelqu'un il veut la Gdusha, quelqu'un cherche la Gdusha, la sainteté, à l'idée chez Motsi, Mbappé qui souffle des Gdusha. Donc maintenant, quand on va exprimer le bon vouloir, c'est-à-dire le vouloir positif, on va l'exprimer par la parole. Alors on va mettre dans l'air des âmes positives. Comme on voit Ben Maranal, comme on l'a vu avant. Aïn Sham était Benyan Gidgulé Anéfashot. Il dit, Rabbi Nathan, viens bien voir là-bas le principe des Gidgulé Anéfashot, c'est-à-dire le principe de l'incarnation des âmes dans les individus par le fait que maintenant elles ont été créées par le vouloir des gens, le vouloir sacré des âmes. Ensuite, chacun, selon sa recherche, alors il trouve des âmes, des fois qui sont en rapport avec lui, des fois le contraire. Aïn Sham va voir là-bas. Parce que maintenant, le Homer, c'est horrible, c'est-à-dire ce qu'on faisait avec les gerbes de blé au Beth Amikdash, ça c'est le principe du roi Sehara, c'est-à-dire de la tempête. Maintenant, de la tempête, il faut faire sortir la parole. De là-bas, elles vont sortir les âmes positives. Beprinat roi Sehara osa devaro. Comme c'est écrit, la tempête, elle fait la parole d'Hachem. Parce que la parole, elle est faite principalement avec de l'air. Que les cinq motzaot tapé, c'est-à-dire que la bouche, elle s'exprime elle a cinq sons, c'est-à-dire quand on prononce, il y a les labiales, les gutturales, les façons de prononcer, il y en a cinq. Et ça, c'est uniquement une coupure dans l'air, c'est-à-dire il y a des prononciations, des lettres quand on les prononce. Alors c'est plus avec les lèvres, c'est plus avec la gorge, c'est plus chaque chose, c'est une coupure dans l'air. Va viru chiyut adam. Maintenant l'air, c'est la vitalité de l'homme. L'homme il respire pour pouvoir vivre. Ki efshar lichiyot bli avir, parce qu'on peut pas vivre sans air. Veuprinat ruach ha'chayim, prinat nefashot. Et ça c'est le souffle de vie, ce sont les âmes que chacun respire. Quand maintenant quelqu'un il va dire des paroles qui sont saintes, c'est-à-dire qu'il va exprimer son vouloir de la Kdusha, avec ça on fait de l'air qu'il y avait au début, qui était un souffle, une tempête, aussi de ça on en fait des nefashot de Kdusha, des âmes saintes, shem prinat diburim kedoshim, qui sont des paroles saintes. Prinat roa sehara o sedevaro, comme c'est écrit, la tempête, de la tempête on a fait des paroles d'Hachem. Faisait trimat omer seorim, et c'est ça la mitzvah de Dieu Omer, qui seorim ou prinat chamesh otiot menatspar. Parce que maintenant le seorim, ça représente les cinq lettres qui ont des Menatspar, ce sont les lettres qui ont des finales en hébreu, c'est-à-dire des lettres qui sont doubles. Le même, vous avez même et même sophit, nun, nun sophit, tzadik et tzadik sophit, p et p sophit, chaf et chaf sophit. Ce sont les cinq lettres qui ont
qui sont doubles, qui ont des lettres, toutes des lettres finales. Shemisham Shorash HaNefashot, que de là-bas vient l'origine des âmes. Shemisham Mechamesh Otiot Menatzpach Naasim Chameshet Motzaot Ape. Donc de ces cinq lettres-là, qui ont des lettres finales, c'est de là qu'on a les cinq prononciations de la parole. La parole aussi, elle a cinq façons de prononcer. Donc de là, elles sortent les âmes. Donc ici, il parle Rabbi Nathan de choses qui sont profondes, des principes de Kabbalah, mais il en parle de façon très légère. Mais maintenant, par rapport à nous, par rapport à maintenant à ce qui nous concerne dans notre Torah, c'est que maintenant quand on prononce avec la, quand on dit des paroles, alors ces paroles là elles ont comme but d'aller réveiller le monde à servir Hachem, soit nous réveiller nous-mêmes, soit réveiller les autres et réveiller le monde entier à la reconnaissance d'Hachem par le fait que maintenant on va remplir l'air d'âmes positives. Sinon l'air il est plein de, c'est une tempête, c'est-à-dire dans l'air il y a des souffles de consommation, il y a des souffles d'impulsion, de sensations, etc., de ce monde qui circule dans l'air. Maintenant, le travail de celui qui a pris un peu conscience de la vérité, c'est qu'en exprimant avec sa bouche des paroles de prière, des paroles de Torah, ou des paroles de vouloir positif, alors ces paroles-là, elles ont la possibilité de changer le monde, c'est-à-dire d'aller et d'arriver chez chacun et de lui donner une autre façon de voir la vie, de lui donner d'autres impulsions vers des choses positives. Et Kolzena a assez à l'idée qu'il souffle de Kdusha. Maintenant, tout ce principe-là du Homer, il se fait par le fait que quelqu'un, il désire se rapprocher de la Kdusha. Qui séorim ou machal behema. Parce que maintenant, le séorim, c'est-à-dire le séor, c'est pas le blé, je vous ai dit le blé, mais c'est pas le blé. Le séor, c'est l'orge. C'est l'orge. Qu'est-ce qu'on donne à manger? L'orge ou l'avoine, aux behemoth, aux animaux. Et Kodem Shemit Karvim, l'Hachem Yitbarach, parce que avant de se rapprocher d'Hachem, Kodem Shezochim, les Prinat Kabbalat à Torah, avant d'avoir le mérite de recevoir la Torah, Azay ou Beprinat Behema, alors l'individu, il est comme un animal, c'est-à-dire pour l'instant, il n'a pas encore eu le statut d'humain. Zot HaTorah Adam, parce que c'est écrit Zot HaTorah Adam, voilà la Torah de l'homme, Atem Krumi Adam, celui qui a reçu la Torah, c'est lui, il s'appelle Adam. Ou comme Sheita Bezoar, Shebishvizé, Mevi'im Az Omer Seorim, c'est pour ça qu'on amène le Homer à ce moment-là, c'est-à-dire au moment après la sortie d'Égypte, on amène le Homer, parce que le Homer, c'est pour montrer que maintenant, on est encore au niveau animal, on a juste été renseigné sur la vérité, on n'est pas arrivé à la recevoir encore à Matan Torah. Pour l'instant, on sait ce que c'est la vérité, mais ce n'est pas parce qu'on sait que ça nous a changé à nous. Pour l'instant, on a une connaissance, une indication de ce que c'est la vérité le soir de Pessah. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin, c'est de Kabbalat HaTorah, c'est-à-dire de recevoir la Torah nous-mêmes, c'est-à-dire de recevoir notre Torah, de recevoir notre chemin dans la Torah, de recevoir des directives dans nos sensations, dans nos émotions, dans nos plaisirs, dans tout, qu'on vive en marche avec la Torah. Et ça ne se fera qu'au Matan Torah. Pour l'instant, le soir de Pessah, on voit une grande lumière. Cette lumière-là nous indique où se trouve la vérité. On est d'accord, on signe, on est d'accord de sortir d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, elle va se concrétiser le jour où on va recevoir la Torah. Ça s'appellera que maintenant, c'est du concret, c'est-à-dire qu'on a mamash reçu la Torah qui nous concerne, c'est-à-dire on est concerné personnellement par cet engagement. Ce n'est pas un engagement qui est un choix idéologique, c'est un engagement qui est vécu maintenant. Ça viendra au Matan Torah, et pendant les 49 jours, on va vouloir et attendre pour arriver à ce moment-là. Ve'az kodem itkarvut she'az uprinat behema. Avant le rapprochement, alors l'homme il s'appelle pour l'instant l'animal. Azaika ura kishtokekut va'kisufim dikdusha. À ce moment-là, on ne peut que vouloir, désirer, languir y arriver. C'est la seule chose qu'on a. Ke'ayal ta'arog alfikemaim kenafshi ta'arog olecha elokim. Comme une biche qui est sur les bords de la rivière et qui languit,
qui veut se rapprocher d'Hachem. Alors la même chose, mon âme, elle languit, elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et disait Zochim Litsayer ou Tsayef Otiot Torah Letov. Et à ce moment-là, ce vouloir, c'est lui qui va assembler les lettres de la Torah de façon positive. Vous entendez, c'est bon? Si vous pouvez faire cet instant. Il y a un problème de son ou pas? Non, il n'y a pas de problème de son. Ah, il n'y a pas de problème, ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors maintenant, si vous voulez la préparation, bon, je finis et après je reprends. Il disait Zochrin Seir Utser Votiata Torah Leto. À ce moment-là, on peut assembler les lettres de la Torah de façon positive. Vezochrim le Kabbalat à Torah. À ce moment-là, on peut recevoir la Torah. Vaz Olim mi Behema le Adam. À ce moment-là, on peut sortir du niveau animal, aller vers l'humain. Ki Kar Gedera Adam ou Adibou. Qu'est-ce qui s'appelle humain? L'homme, il s'appelle le parlant. En hébreu, on dit medaber, le parlant. C'est-à-dire qu'on fait un tri dans les sons, les sons qui se trouvent dans l'air, et on en fait de ça des paroles qui soient saintes. Et c'est ça qui nous fait sortir de l'animal à l'homme, et c'est ça qui nous permet de recevoir la Torah. Maintenant, si vous prenez l'exemple qui est le plus intéressant pour ça, c'est-à-dire là où on voit le plus clair, c'est un exemple que Rabbeinu donne lui-même plusieurs fois dans l'Écouté Moharan, c'est le principe de l'instrument de musique. Si vous voulez, un instrument de musique, c'est un tri dans des sons. C'est ça un instrument de musique. C'est-à-dire c'est le choix de certains sons. Il y a quelqu'un qui ne sait pas jouer d'un instrument de musique, alors c'est une cacophonie totale, parce que ça fait des sons qui il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de gamme, il n'y a rien. Maintenant, quelqu'un qui sait jouer d'un instrument de musique et quelqu'un qui maîtrise un instrument de musique, c'est quelqu'un qui ne fait pas de fausses notes. C'est-à-dire toutes les notes, elles sont dans une harmonie et ça produit une musique, ça produit quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, c'est exactement le principe de la vie, si vous voulez. Le monde, ce sont des lettres. Ces lettres, elles sont là, elles sont données à l'homme, à lui de les assembler, de les assembler comme il veut. Maintenant, la plupart des gens dans le monde, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font, c'est de la cacophonie, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est utiliser le monde pour n'importe quoi, c'est-à-dire utiliser le monde de façon qui n'est pas la vie véritable. C'est-à-dire que bien que les gens ils arrivent à un confort, ou ils arrivent à un niveau de consommation, etc., mais il n'y a pas de vie, c'est pas ça qui s'appelle la vie. Pour l'instant, c'est-à-dire l'humanité a un grand niveau de cacophonie. C'est comme si quelqu'un il prend un instrument de musique, il monte sur scène et il commence à gratter sur une guitare ou à jouer de la trompette, mais il sait pas jouer. C'est-à-dire il sait pas comment on maîtrise les sons. Donc ça sort pas quelque chose du tout d'agréable à entendre. Maintenant, le monde, ce sont des lettres. Ces lettres-là, elles sont dans l'air. Maintenant, c'est à nous de jouer, c'est-à-dire de faire la musique qu'il faut pour que ça soit une vie de connexion avec Hachem, une véritable vie. Maintenant, comment nous on va faire? On nous a donné maintenant une lumière. Chacun il a reçu une lumière à un moment. Il a vu. Il était en Égypte. Il était dans l'étroitesse. Il comprenait pas à quoi servait ce monde, etc. Chacun il a vécu comme il a vécu. Bien, il a un mérite de quelque chose qu'on lui a montré à un moment une lumière. C'est le soir de Pessah. Il voit cette lumière. Il comprend que cette lumière là elle est bien et il se dit c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je voudrais. D'accord. Maintenant au moment où il voit cette lumière, il se trouve toujours pour l'instant à l'état animal. Il n'a pas du tout progressé. Maintenant, il a eu un renseignement de quelle direction prendre dans la vie. Mais pour l'instant, lui, il n'a pas changé. Maintenant, lui, il va changer pendant la période du Homer. C'est-à-dire, pendant qu'il va commencer à compter le Homer, il va commencer à fabriquer des nouveaux concepts d'assemblement de l'être par son vouloir. Par le fait maintenant qu'il a vu le bien et qu'il le veut,
Chaque jour qu'il va compter le Homer, pendant les 49 jours du Homer, il va faire des assemblements de lettres. C'est pour ça que chaque jour du Homer, on assemble des sphirotes. On commence, on fait Chesed, Shebe Chesed. Après, on fait Gvura, Shebe Chesed. Après, on fait Tiferet, Shebe Chesed. C'est des assemblements de sphirotes et des assemblements de lettres dans des formules qui sont des formules de vie. Qui sont les sphirotes, qui sont la vie. Les sphirotes, ce sont la vie. Les sphirotes, Hachem, il a mis dans le monde des sphirotes pour transmettre l'infini dans la matière. C'est ça le but des sphirotes. Maintenant, chaque fois qu'on assemble les sphirotes, on assemble les sphirotes d'une certaine manière, alors on produit une énergie divine d'une certaine façon. Donc pendant le Homer, ce qu'on va faire, c'est assembler ces lettres de façon positive, parce qu'il y a un vouloir positif qui a été déclenché au départ par la vision de la vérité. C'est-à-dire le fait qu'Hachem, il a fait des grands miracles. Alors on a vu cette chose-là, ça nous a attiré, ça nous a plu. On a voulu s'engager. On a dit, bon, on s'engage. On va prendre la route du désert, on va aller vers Hachem. Maintenant, quand on s'engage, on commence à vouloir. Et c'est là où on écrit, si vous voulez, la Torah, qui va être notre Torah quand on va arriver à Matan Torah. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la Torah, vous allez trouver votre Torah, c'est-à-dire ce qui vous parle à vous. Ce n'est pas la généralité de la Torah. Parce que la généralité de la Torah, elle est encore à travailler, elle est encore à cuisiner, elle est encore à préparer au goût de chacun. Maintenant, chacun, selon son vouloir, il va trouver sa Torah. Et quand il va trouver sa Torah, alors là, il peut parler de Matan Torah. À ce moment-là, on peut parler de Matan Torah, on peut parler déjà d'un niveau d'engagement. Mais tant qu'il n'y a pas eu Matan Torah, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu ma Torah, il n'y a pas d'engagement possible pour l'instant. Pour l'instant, je suis spectateur. C'est-à-dire moi, je suis toujours au niveau animal. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas changé pour l'instant. J'ai vu la vérité, j'adhère à cette vérité, elle me plaît, je la veux. Mais tant que je ne suis pas arrivé à Matan Torah, après l'assemblement des lettres dans des formules positives, je ne peux pas parler de Matan Torah, je ne peux pas parler de changement. C'est là où seulement où il y aura un changement. Et ça peut prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui prend quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Ça peut prendre beaucoup de temps avant que quelqu'un arrive à Matan Torah. C'est-à-dire un changement mamache dans sa vie, c'est-à-dire qu'il devienne ce qu'il veut, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait... Maintenant, on est en route. On est tous en route entre l'Égypte et Eretz Israël. Chacun est plus ou moins prêt, chacun il s'approche. Il y en a qui sont proches du canal de Suez, il y en a qui sont proches du Nil. Chacun là où il est en route en tout cas. Il est en route et il veut. Alors maintenant, ce qu'il nous conseille Rabbeinu ou Rabbi Nachman, c'est de l'exprimer, ce vouloir tout le temps, de manière à faire des assemblements de lettres qui vont nous permettre de vivre ce projet-là qui a été vu au départ. Au départ, on l'a vu, mais on est des observateurs, on n'est pas encore des gens qui sont mamash dedans, même si on fait les mitzvot, même si quelqu'un fait les mitzvot. Maintenant, tout le fait qu'il fait les mitzvot, c'est de la mimique pour l'instant. C'est pas lui qui fait les mitzvot. Il a vu, ça lui plaît. Alors il mime comme un petit enfant. Un petit enfant, je vois mes petits-enfants, des fois ils viennent à la maison, ils se mettent, ils me voient faire le birkat Amazon, ils se mettent dans un coin, ils commencent à se balancer comme ça. Et tout le monde rigole, tout le monde est content parce que on voit le petit qui fait semblant de prier, etc. Ben nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on fait semblant de prier, on fait semblant de faire ça, mais on est en route. On n'est pas arrivé. On est en route pour arriver. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé encore. Arriver, c'est le jour où on en recevra notre Torah, c'est-à-dire qu'on sera en connexion avec Dieu mamash. Pas uniquement qu'on ait adhéré à la méthode. Qu'on soit en connexion avec Dieu mamash, et ça va se faire quand il y aura Matan Torah, pour chacun. Zeprinat Sheva Shabbatot. Alors, passage Zayin, page 42. Maintenant, ça, c'est Sheva Shabbatot, c'est-à-dire qu'il y a sept... Il y a sept Shabbatot dans la Sphira. On compte sept semaines. Qui kararatzon ve kisufim de kedusha shemizeh naasim nefashot ou be Shabbat. Parce que maintenant, tout le principal du vouloir de l'homme, il se fait le Shabbat. Ki Shabbat ou ratzon ve kisufim de kedusha. Le Shabbat, c'est que du ratzon et des kisufim de kedusha. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est mamash un jour où on est libéré de tout ce qui est
l'air de ce monde, c'est-à-dire on est libéré de toute la structure de ce monde comme elle a été conçue par l'homme pendant les 6 jours de la semaine, on a enfin un jour qui a été conçu par Hachem et dans lequel on vit selon la conception d'Hachem. Alors ce jour-là, c'est vraiment un jour de vouloir extraordinaire. Be'ava u'bratzon inchaltanu, comme on dit, qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Be'ava u'bratzon inchaltanu, on le dit dans le kiddush, on le dit dans la prière. Ve'az mitgale ra'ava de'ra'avin, et maintenant Shabbat après-midi, amincha, souda shlishit, se révèle ra'ava de'ra'avin, c'est-à-dire le vouloir des vouloirs, c'est-à-dire l'origine même du vouloir. Ratzon sheberetzonot, alken az zochil enefesh etera. Donc le Shabbat, on a le mérite de recevoir une âme supplémentaire ou un supplément d'âme. Comme c'est écrit, le Shabbat est arrivé, vaynafash. Maintenant c'est le repos, c'est la tranquillité, mais c'est dans ce vaynafash quoi. C'est l'âme qui est venue, l'âme supplémentaire, c'est elle qui nous donne ce repos. Le repos, c'est pas de les gens, ils pensent que le repos, c'est quand on débranche, si vous voulez, comme on dit, voilà, on va débrancher, ça va nous reposer, mais le repos, c'est pas de débrancher. Le repos, c'est de se brancher à un autre niveau, c'est ça le repos. Le repos, c'est de se connecter à un autre niveau, c'est ça qui nous repose. Parce que les masses, tous les 6 jours de la semaine, on est agressé par la matière, on est agressé par le fonctionnement dans la matière, ce qu'on est chacun, ce qu'il est obligé de faire pour fonctionner dans ce monde. Maintenant, le Shabbat, on est libéré de ça. Et le Shabbat, on va se connecter à un autre niveau. C'est ça qui va donner le repos. C'est le repos de la contradiction, si vous voulez, entre l'âme et le corps. Le Shabbat, c'est un jour qui est au service de l'âme entièrement. Donc, il n'y a plus de problème. Le corps, il reçoit ses plaisirs puisqu'il y a des bons repas, etc. Mais tous ces plaisirs, ils sont inclus dans l'âme. Donc, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de guerre. C'est-à-dire que le corps et l'âme, ils sont d'accord. Tandis que dans la semaine, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement tout le temps entre le corps et l'âme. L'âme, elle n'ose pas trop. Elle n'ose pas trop s'exprimer dans la semaine parce que le corps, il prend beaucoup de place dans la semaine. Mais le Shabbat, le corps, il fusionne avec l'âme. Parce que le corps aussi, il a des plaisirs, le Shabbat. Mais ce sont des plaisirs qui sont sublimés. Donc, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, c'est-à-dire le corps, ça devient plus un antagoniste, ça devient plus quelqu'un qui va nous tirer vers autre chose. Au contraire, le Shabbat, le corps, il va nous aider à nous projeter, si vous voulez, vers l'au-delà. Kibo Shabbat va'inafash, ve'ikar ha'nefesh etera zochin be'Shabbat al-yedei shtokekut ve'kisufim d'kedusha. Beprinat kevan she'Shabbat va'avda nefesh. Alors maintenant, le Shabbat, on reçoit l'âme supplémentaire. Principalement parce que quand Shabbat va arriver, alors on se souvient qu'est-ce que c'était quand on avait l'âme supplémentaire, et maintenant on commence à regretter cette âme là, et c'est ça qui fait qu'elle vient. Parce que maintenant le fait de languir l'âme, c'est comme ça qu'on est zoché d'avoir un nefesh yetera, d'avoir une augmentation, un surplus d'âme. Donc maintenant, comment ça se passe le Shabbat? C'est que les masses, quand on rentre dans la semaine, on oublie complètement d'où on était, où on était Shabbat d'avant. Maintenant, quand on se rapproche du nouveau Shabbat, alors il y a un éveil qui se fait en nous, on se rappelle, c'est vrai, comment c'était beau le Shabbat, comment c'était merveilleux, etc. Où elle est cette âme-là? On commence à se languir de l'âme supplémentaire, et c'est ça même qui fait qu'il y a l'âme supplémentaire. C'est ce languissement, c'est ce vouloir, ce désir de l'âme supplémentaire, c'est ça qui va la faire. Alors ce principe-là, c'est un principe général qui peut s'appliquer à tout dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand quelqu'un il sent un éloignement par rapport à quelque chose, c'est pas parce qu'on veut lui enlever la chose, c'est parce qu'on veut qu'il la veuille plus. C'est pour ça qu'on l'éloigne de la chose. C'est cyclique, si vous voulez. Ce monde-là, il est cyclique. De la même manière qu'il y a le Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine. Alors il y a des cycles aussi individuellement dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines du couple, dans le domaine de la parnassa, dans le domaine de l'étude, de la prière, des rapports avec autrui, etc. Il y a des cycles. Maintenant, ces cycles-là, qui sont des cycles de rapprochement et des cycles d'éloignement, puisqu'on est dans un monde qui est influencé, si vous voulez, par la lune, vous voyez, elle se remplit, elle se vide.
La Lune, elle arrive le 15, elle est pleine, et après elle commence à se réduire jusqu'au premier. Au premier, elle commence à zéro, et elle repart vers le 15, etc. Il y a des cycles de tous les mois. Maintenant, ces cycles-là de lumière et d'obscurité, c'est toute la vie qui est comme ça, c'est-à-dire dans tous les domaines, c'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas se tromper, il faut savoir que quand maintenant on a un cycle, un moment d'éloignement, c'est pas un moment d'éloignement, mamache. C'est uniquement un moment d'éloignement pour qu'on se souvienne de la valeur de la chose qu'on avait. C'est-à-dire qu'on prenne conscience de cette valeur-là. Quand on prend conscience de cette valeur, on la veut, et c'est ça qui fait revenir la chose. La chose, elle revient par le vouloir qui a été déclenché. Maintenant, pourquoi elle s'est éloignée ? Parce qu'à un moment, on ne la voulait plus tellement. Alors, comment on ne la voulait plus tellement ? Alors, elle commençait un petit peu à s'éloigner. Et donc, quand elle a commencé à s'éloigner, on dit, non, mais moi, c'est ça que je veux. Elle dit, mais c'est vrai, tu veux ? Elle dit, oui, je veux vraiment, etc. Alors, quand on veut, alors la chose, elle revient. Et c'est comme ça, toute la vie de l'homme, c'est comme ça. La vie, elle est faite de ce cycle-là, d'éloignement, de rapprochement, sans arrêt. Mais c'est une technique qui est liée au monde. Il ne faut pas croire que c'est un véritable éloignement. Les gens, ils se vexent parce qu'ils croient qu'ils sont éloignés, mamache. Ils sont éloignés d'Hachem, ou ils sont éloignés de leur conjoint, ou ils sont éloignés du bonheur, ou de la joie, ou de n'importe quoi. Mais non, il n'y a pas d'éloignement qui est un véritable éloignement. C'est un éloignement technique, cyclique, pour pouvoir se rapprocher plus, sans arrêt. Alors si maintenant on supporte la période d'éloignement, et on l'utilise comme étant une période de vouloir, alors ce vouloir-là, il va faire après qu'on va avoir la chose. Vous prenez par exemple l'Eretz Israël, vous avez, voilà. Hachem nous a éloignés d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, mais vous ne voulez pas vraiment. Il dit, comment on ne veut pas ? Mais oui, on veut. Il dit, non, je vois pas que vous voulez vraiment. Alors pendant des siècles, on était loin. Et chacun y priait, il demandait, il avait envie d'Eretz Israël. Quand est-ce que je vais voir Eretz Israël ? Quand est-ce que je vais voir l'endroit du Beth Amikdash ? Quand est-ce que je vais voir cette terre sainte, etc. Ça a fait qu'on revient sur la terre. Maintenant, quand on revient sur la terre, il faut faire attention de continuer à vouloir. Parce que si on ne continue pas à vouloir, alors on risque de nous remettre à Zéchalon dans un cycle d'éloignement. Et ça, il ne faut pas. Alors, comment Hachem il fait ? Il fait le fait qu'on a toujours des gens qui pensent à nous enlever à Eretz Israël ou à nous enlever à nous d'Eretz Israël. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Il faut croire que Béhémeth, ils n'ont rien à faire du tout. S'ils réfléchissaient à quoi ils s'investissent dans leur vie, ils seraient complètement... Si vous réfléchissez maintenant des dirigeants de pays qui passent leur temps à parler de la haine d'Israël, la destruction d'Israël, d'effacer Israël, des trucs, etc. Mais c'est extraordinaire que des gens ils s'occupent de nous comme ça. C'est-à-dire que normalement, logiquement, on ne comprend pas comment c'est fait. Est-ce que quelqu'un, un individu, il a le temps, il a le temps, ou là même pas, ça lui vient l'idée, ça vous viendra l'idée à vous de parler tous les jours de que le Pérou il disparaisse, il faut que le Pérou disparaisse, c'est pas bien, etc. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de se mettre à devenir un activiste de la disparition du Pérou, par exemple? Bon, un homme normal, il a sa vie, etc. Pourquoi va s'occuper d'un pays, de vouloir raser une nation du monde et lui enlever son pays, etc. Mais vous voyez que ces gens-là, c'est uniquement des gens qui font la volonté d'Hachem. Si eux, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne le feraient pas. Parce qu'eux, ils ne veulent pas aider l'homme Israël. Mais c'est eux qui aident l'homme Israël. Parce que le fait qu'il y a cette épée de Damoclès là, qui est tout le temps, ça nous donne encore toujours plus envie. L'amour d'Eretz Israël. Vous voyez, ça oblige même des dirigeants israéliens à s'exprimer, à dire, qu'est-ce que vous croyez, qu'on va partir comme ça? Mais non, on est là, nous, et on va se défendre, et on va faire tout ce qu'on peut, etc. Alors Hachem, il entend ça, et il dit, ah bon, ça va, je vois que vous aimez, parce que je pensais que vous auriez dit, bon, ben, si vous vous embêtez, ben, fait notre valise, hein, on va aller habiter à Tokyo, puis c'est tout, comme ça, on va se noyer dans la masse, et puis vous nous oublierez. Ah non, il voit que non, la réaction, c'est pas ça. La réaction, c'est qu'on s'accroche. On dit, non, on veut,
On veut Eretz Israël comme on l'a jamais voulu. Alors Hachem, il est content. Hachem, il dit, bon, ça va. Ça va, bon, Hachem, ils veulent. Donc, ça continue. Mais pour entretenir ce vouloir-là, alors il y a besoin toujours qu'il y ait ces passages-là, qui soient des passages à vide. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça, c'est un niveau qui est un niveau primaire. C'est un niveau un niveau de début. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça devrait se passer à un autre niveau. Ça devrait se passer au niveau de la Kedusha de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on devrait vivre en des cycles de où on ressent la sainteté d'Israël et des moments où on la ressent moins. Alors, quand on la ressent moins, on va prier, étudier, faire des mitzvot, faire tout ce qu'on peut pour ressentir plus la sainteté d'Israël. C'est ça qui devrait être le travail, normalement. Mais comme on n'est pas encore à ce niveau-là, de sentir la sainteté d'Israël, qu'on est tous, c'est-à-dire, disons, pour ne pas être exclusif, 99,999% des gens qui sont en Israël, ce sont des gens qui miment le judaïsme, des gens qui miment la vie en Israël. Alors, c'est obligé qu'il y ait une épée de Damoclès qui vienne de l'extérieur. Mais normalement, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Parce que la recherche à l'intérieur, seulement, elle suffit. Il y a tout dans l'Eretz Israël. C'est-à-dire, il y a une Kedusha. Et cette Kedusha-là, elle suffit à elle-même à gérer ce cycle-là. C'est-à-dire, quand la Kedusha elle se cache, alors on la veut. Et quand on la veut, on fait qu'elle se révèle. Et quand elle se révèle, alors on est content, etc. Et après, elle se cache, alors on la veut encore. Et c'est comme ça, normalement, que ça devrait fonctionner. Mais comme la plupart des gens, ils ne savent même pas ce que c'est la Kedusha d'Eretz Israël. Donc, ça se passe par des cycles qui sont des choses beaucoup, beaucoup moins agréables et beaucoup moins spirituelles et qui occupent des gens aussi, parce que c'est des pays entiers qui sont obligés de faire des manœuvres militaires, des trucs et tout, qui dépensent de l'argent, qui font travailler, vous vous rendez compte, des milliers de gens qui travaillent, des milliards de dollars qui sont dépensés, pourquoi ? Pour être mechazek le Ham Israël, pour que le Ham Israël y veuille sa terre, pour que le Ham Israël y prie vers Akadosh Baruch Hu et tout. Regardez ce que les moyens qui sont mis dans le monde à la disposition du Ham Israël. C'est des choses qui sont extraordinaires, uniquement pour déclencher du vouloir, encore plus de vouloir. Alors ce principe cyclique-là, on le vit tout le temps le Shabbat. Tous les Shabbats, on vit ça. C'est-à-dire quand le Shabbat il s'en va, alors en général, on n'est pas très content. Alors Hachem, il nous donne dans la Havdala, on fait les Bessamim, c'est-à-dire on va sentir du parfum. C'est écrit dans l'Halakha, pourquoi on sent du parfum Motsé Shabbat. C'est pour l'âme supplémentaire qui nous a quittés, c'est pour nous consoler, pour dire bon, ça va, je te laisse pour la semaine, mais on se retrouve le week-end prochain, ne te fais pas de soucis, etc. On va se retrouver Shabbat prochain, pourquoi tu ne t'angoisses pas? Il dit, ouais, mais encore 6 jours, encore galérer pendant 6 jours avec tous les trucs et tous les emails et tous les trucs tous les jours et tous les problèmes à régler, tout ça. Bon, ça va, c'est pas... Alors on rentre, disons, on joue le jeu, on fait Melave Malka avec David Ameller, tout ça, et on rentre dans la semaine. Maintenant, on rentre dans la semaine, on a oublié, Birlal, qu'est-ce que c'était le Shabbat complètement. Alors ça revient le vendredi, on dit ah, encore une fois, cette âme-là, elle va venir, après elle va me quitter, etc. Alors ce languissement, c'est ça qui fait que l'âme, elle revient. Comme dans le premier conte des 7 mendiants, d'abord la princesse, elle a disparu. La princesse disparue, c'est ça, c'est la princesse disparue. Chacun, il cherche sa princesse disparue. C'est ça que chacun, il cherche. Alors à chaque fois qu'il est trop à plat, alors elle se manifeste. Elle dit, voilà, mais je suis là, un truc et tout. Et lui, dès que maintenant il se sent sorti d'affaire, alors ça y est, il est reparti encore pour un moment où il a un peu d'orgueil, un peu de laisser-aller, etc. Dès qu'il y a un peu d'orgueil, un peu de laisser-aller, elle s'en va. Après, lui, il se réveille, il dit, mais où est-ce qu'elle est? Il dit, mais elle est partie. Il dit, mais comment c'est possible, etc. Voilà, jusqu'à qu'ils lui disent maintenant elle est loin, elle est dans une montagne en or, dans un château de pierres précieuses. Comment tu vas la trouver? Alors il va, il cherche, on lui dit ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Il dit mais comment ça n'existe pas? Mais moi je vous dis que ça existe. Et non, ça n'existe pas. Et c'est pas n'importe qui lui dit ça, c'est des géants. C'est des géants, c'est des grands messieurs, c'est des gens de très grand niveau. Ils disent, mon petit, t'as un problème, hein? Tu t'es en train de chercher des choses qui n'existent pas. Tu devrais aller voir un psy ou quelque chose comme ça, parce que t'as des problèmes.
Je dis, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Il dit, mais non, ça doit exister, c'est sûr que ça existe. Jusqu'à la fin, il la trouve. Il trouve cette montagne-là en or et ce château en pierre précieuse. Et il va là-bas. Et à ce moment-là, il s'installe et il va commencer à la chercher et chercher un moyen comment il va la faire sortir. Mais regardez combien d'années ça lui a pris avant de la trouver, d'être trouvé l'endroit où elle était et de pouvoir y avoir accès et d'avoir les moyens de la faire sortir, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine d'une vie entière pour la trouver. Parce que de toute façon, il n'y a rien à faire dans ce monde. Qu'est-ce que quelqu'un va faire ici ? La seule chose qui est intéressante, c'est celle-là, c'est de chercher cette princesse disparue, de chercher cette partie d'âme qui est élevée, qui va nous donner le goût de l'infini et qui va nous permettre d'arriver aussi à un concept de l'infini plus grand dans le monde futur. C'est le but de la venue de l'homme sur Terre. Mais ce n'est pas facile de chercher tout le temps, parce qu'il y a des choses qui sont des choses matérielles à régler qui nous prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et des fois, on se laisse prendre au piège. On croit qu'on est là pour ça. Voilà, un directeur d'entreprise, où il est là, il a son bureau, il a ses employés, il a ses trucs. Il ne faut pas qu'il oublie ce qu'il est venu faire. Il ne faut pas qu'il se laisse prendre par le jeu de ce monde. Alors ça demande tout le temps un languissement. Alors Hachem, il a mis un système comme ça de cyclique, si vous voulez, de rapprochement et d'éloignement qui permet de donner le principe de la dynamique de la vie. C'est-à-dire que la personne, elle veut. En général, les gens, ils veulent ce qu'ils n'ont pas. Et ce qu'ils ont, ils l'apprécient plus. Dès qu'ils l'ont, ils l'apprécient plus. Alors on est obligé de fonctionner avec des cycles d'éloignement et de rapprochement pour entretenir la vie, pour que la vie soit agréable. Sinon la vie elle n'est pas agréable. Et si quelqu'un il a tout ce qu'il veut, alors ça y est, qu'est-ce qu'il va faire ici? Voilà, tout ce qu'il a voulu, il l'a eu. Voilà, ça y est, t'es content? Ben ouais, j'ai tout ce que... Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben je sais pas, je m'ennuie avec tout ça. Mais c'est ça que tu voulais. Ouais, mais je sais pas, c'est maintenant que je l'ai, je m'ennuie, ça y est, ça m'intéresse plus. Et dis, mais t'as travaillé 20 ans ou 30 ans pour avoir ça. Ouais, mais bon, maintenant que je savais pas que ça faisait cet effet-là. Maintenant que je l'ai, ben ça m'intéresse plus. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais pas. Je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées. Voilà la plupart des gens. Ça, c'est des gens qui sont arrivés. C'est déjà pas mal. Mais il y a des gens, ils vont jamais arriver. Ils vont courir. Rabbi Nachman, il dit le Yetzirah. Et c'est comme quelqu'un qui court avec le poing fermé comme ça. Il court et tous les gens, ils courent derrière lui. À un moment, il arrive, il ouvre la main et les gens, ils voient qu'il n'y a rien dedans. Il dit quoi? On a couru pour ça. On a couru derrière quelqu'un qui avait le poing fermé. Il n'y avait rien dans son poing. La plupart des gens, leur vie, c'est ça. La plupart des gens, ils courent vers quelque chose qui n'existe pas. Alors, Hachem, Akash Bokhu, il a donné des tzadikim qui nous apprennent, qui nous disent vers quoi il faut courir, qui nous disent, voilà, cours vers ça. Et même si tu es fatigué et tout, c'est pas grave, repose-toi un petit peu, dès que ça va mieux, tu reprends. Mais dès que tu as un moment, fais ça, c'est ce qu'elle lui dit, la princesse. Elle lui dit, regarde, dès que tu as un moment, mets-toi dans un coin et veuille me faire sortir, c'est tout. Cherche à me faire sortir. Dès que tu as un moment, maintenant le reste du temps, travaille, fais ce que tu as à faire. Mais dès que tu as un moment de libre, mets-toi dans un coin et aie envie de me faire sortir. Et avec ça, tu vas me faire sortir. Il n'y a pas d'autre moyen de me faire sortir. C'est que comme ça que tu vas créer le chemin qui va pouvoir me faire sortir. C'est là où tu vas trouver ma porte, c'est là où tu vas trouver le moyen de me faire sortir. Sinon, jamais tu vas me faire sortir. C'est que comme ça. Elle lui dit comment il faut faire aussi. C'est pas que Stam, elle lui dit, voilà, bon, débrouille-toi. Non, elle lui donne la méthode à chaque fois. Elle donne la méthode exactement comment il va faire pour le faire sortir. Elle dit, voilà, pendant un an, tu vois, à chaque fois que tu as un moment, tu mets dans un coin, tu cherches à me faire sortir. Et tu verras, fais ça, puis au bout d'un an, je vais sortir. C'est les cycles. Toute la vie, elle est cyclique. C'est comme ça, on ne peut pas passer par un autre chemin. C'est celui-là, le chemin. Qui Shabbat, Kaloul. Mikol aprinot, parce que dans Shabbat, il y a tous les principes qu'on a vus. Ki Shabbat ou prinat ikun abrit, parce que Shabbat, c'est la réparation de l'alliance, comme je katouv, brit olam, beni ou ben Israël. Comme c'est écrit, une alliance éternelle entre moi et le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu dit. Vazu prinat emuna bishlemut. Et Shabbat, c'est le jour où la emuna, elle est parfaite. Ki Shabbat mori al chidush haolam, parce que le Shabbat, il enseigne, il montre qu'il y a un renouvellement du monde.
והזוכין לעשות נפשות על ידי שתוקי כותבה כיסופים דקדושה. Et le Shabbat, on a la possibilité de fabriquer des âmes par le fait qu'on a des languissements, des désirs de la Kedusha. Vezihu prinat ha-nefesh ha-yetera shezochim be-Shabbat. Et c'est ça l'âme supplémentaire qu'on reçoit Shabbat. Al-yedei shtokekut ve-kisufim ve-ratzon de-kedusha. Par le fait qu'on veuille la sainteté, prinat ra'ava de-ra'avin, le vouloir des vouloirs. Ratzon shebe-retzonot shebe-tgale be-Shabbat, qui se révèle le Shabbat. Donc Shabbat, grâce à ce niveau-là d'âme, on a une nourriture qui est de la nourriture du visage, le pain du visage, le pain du visage d'Hachem. Valken ikar alechem apanim ou beshabbat. C'est pour ça que même au Beth Amikdash, le ikar du lechem apanim, du pain du visage, c'est le Shabbat. Sheaz ochin ou esadri bet alechem apanim. C'est le Shabbat qu'on prépare. Qu'on organise, qu'on sert le lechem apanim dans le Beth Amikdash. Qui be Shabbat naasim kol aprinot hanal yedei zochim lechem apanim. Parce que Shabbat, tout ce qu'on a parlé dans cette Torah, ça se fait le Shabbat. Le Shabbat, il y a l'alliance. Le Shabbat, il y a la emouna. Le Shabbat, il y a le chesed. Le Shabbat, il y a le vouloir. Le Shabbat, il y a l'expression du vouloir par la parole. Tous ces principes, ils se font le Shabbat. Valken tzichim lispor sheva Shabbatot tmimot. C'est pour ça qu'on compte dans le Homer 7 semaines complètes. Pour que toutes les 7 jours de la création ils s'incluent dans le Shabbat. Pour que chaque jour de la création ils soient inclus dans le Shabbat. Pour qu'ils reçoivent du Shabbat la harat haratzon. Si vous voulez, les 6 jours de la semaine c'est le corps. Et Shabbat, c'est l'âme. Maintenant, il faut que le 6 jours s'inclue entièrement dans l'âme. Donc, on va compter 7 semaines pour inclure tous les jours de la semaine dans le Shabbat. Tchouprinat kisufim d'Gdusha, pour que tous les jours de la semaine, ils se transforment en kisufim, en vouloir de Gdusha. J'ai des enasim nefashot, que ça va faire des âmes. J'ai des eikar kabbalat Torah, que ces âmes-là, c'est elles qui vont permettre de recevoir la Torah. Zeprinat arba'i v'tishah yom. C'est pour ça qu'il y a 49 jours. C'est 7 fois 7, 49 jours. Car l'idée qui soufim d'ikdusha zochim le prinat lechem apanim shu lechem cham. Parce que maintenant, grâce à la vouloir de la kdusha, on est zoché du lechem apanim, c'est-à-dire du pain du visage, c'est-à-dire du pain chaud. Qu'est-ce que c'est le pain chaud? Prinat adit akadosh baruch hu leotzia chama min artika. Que, comme on a parlé hier, à Kadosh Baruch Hu dans le futur, va faire sortir le soleil de son écran. Vazit kayem ve'or hachama yek shiva'a ta'im, shehu shiva'a pa'amim shiva'a. Le soleil, il va être shiva'a ta'im, c'est-à-dire le soleil, il va être 49 fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas comment on mesure l'intensité du soleil, mais s'il existe aujourd'hui des mesures qu'on a reçues de la chaleur du soleil, de la lumière du soleil, alors elle va être 49 fois plus grande. Parce que ça, c'est par rapport aux 7 semaines de la Sphira du Homer. Que pendant ces 7 semaines, on languit, on désire se rapprocher d'Hachem. Et des ezochim leorachama shivataim. Que ça nous permet d'arriver à la lumière du soleil 49 fois plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Prinat vezacha lachem yir eshmi shemesh tzdaka marpe b'chkanfer. Comme c'est écrit dans Malachi, et elle éclairera sur vous, il éclairera le soleil, la crainte de mon nom, qui est la tzdaka, et qui va guérir avec ses ailes. Tout ça, on est zoché par Kisufim de Gdusha, qui est la Sfirata Omer. Ça veut dire que maintenant, par le fait qu'on compte le Omer, chaque jour qu'on veut, on va faire un assemblement de lettres. Cet assemblement de lettres, il va créer une diffusion de la lumière plus grande. On va vivre dans une lumière de plus en plus grande. Et les Maasés, chacun, il vit dans une lumière qui est différente. Ne croyez pas que chaque individu, il vit au même niveau de lumière spirituelle. Chacun, il a une lumière qui est différente.
Il y a des gens qui ont une certaine lumière. Vous voyez par exemple quelqu'un, comment il fait la prière, ou comment il fait une mitzvah, ou comment il va au kotel, ou comment il parle avec ses enfants, ou avec sa femme, ou dans son travail. Vous voyez des gens, ils ont une certaine lumière. Des gens, ils ont plus de lumière. Des gens, ils ont moins de lumière. Maintenant, ça vient de quoi? Ça vient de combien il veut. C'est ça qui crée la lumière qu'il a. Combien il veut, c'est ça qui crée les assemblements de l'être qui vont gérer l'intensité du soleil. Pour lui, chacun individuellement, il va recevoir une intensité du soleil plus grande. Du moment où vous avez une intensité de soleil plus grande, alors l'ombre qu'il y a dans la vie, elle disparaît. C'est-à-dire que maintenant, les endroits qui étaient ombragés, les endroits qui étaient douteux, les choses que vous ne saviez pas exactement quel choix il fallait faire, alors ces choses-là, elles s'en vont. C'est-à-dire ces choix, ils deviennent simples. Il y a des évidences qui viennent. Ça s'appelle Matan Torah. C'est ça qui s'appelle Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire que vous êtes arrivé à l'évidence de quelque chose. Vous êtes arrivé à l'évidence de quelque chose. Il y a des gens qui vivent à un certain niveau. Il y a des gens qui se marient à l'âge de 20 ans, d'autres ils se marient à l'âge de 40, d'autres de 30, d'autres de 50. Chacun, il arrive à une évidence à un certain moment de sa vie. Il se dit, tiens, il faudrait que je pense à faire quelque chose de ma vie. Alors il commence. Alors chacun, il commence à un âge différent. D'où ça vient qu'il commence à cet âge-là? Parce que un, il a vu, l'autre, il n'a pas vu, c'est tout. Il y en a un qui a vu, et un autre qui n'a pas vu. Tout ça, ça dépend de l'intensité de lumière qu'il reçoit. C'est ça qui lui permet ou bien aussi par la confiance qu'il a dans d'autres quand il écoute les gens. Si déjà quelqu'un il sait qu'il n'a pas de lumière du tout, il va écouter des gens qui ont de la lumière, ça c'est un très grand niveau. Parce qu'il va aller s'éclairer avec la lampe de poche de son voisin, parce qu'il est en panne d'électricité chez lui. Alors il va aller chercher la lampe de poche de son voisin, il va s'éclairer avec. Si quelqu'un il sait qu'il fait partie des gens de l'ombre, alors il dit, tiens, il n'y a pas des gens qui vivent dans la lumière? On dit, oui, il y a des tzadikim qui vivent dans la lumière. Ah bon, ça m'intéresse. Il dit, ben voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le tzadikim, il lui dit, tu dois faire comme ça, comme ça. Il dit, ah, merci beaucoup, vous m'avez conseillé, etc. Et avec ça, lui, il va sortir de l'ombre vers la lumière, en utilisant la lumière de quelqu'un d'autre. Parce que lui, s'il attend le jour où il va avoir de la lumière, il peut attendre longtemps. Parce que dans l'état où il est, je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir produire de la lumière. Dans l'état où on est chacun individuellement, par où on est passé, et après 2000 ans de galoute, je ne sais pas aujourd'hui quelqu'un comment il peut prétendre vivre tout seul l'intensité de la lumière de la Torah, de la recherche d'Hachem, etc. Il vaut mieux utiliser la lumière de gens qui ont fait leurs preuves et qui ont déjà trouvé, c'est déjà beaucoup plus facile. Parce qu'on est, beaucoup plus tranquille dans les choix que de se lancer individuellement et chacun là où il peut se lancer. Donc maintenant, l'intensité de la lumière, elle va être le résultat de mon vouloir. Plus je vais en vouloir et plus je vais voir de la lumière, et donc moins je vais avoir de doutes et moins je vais subir des douleurs. Comme c'est écrit que Amalek, on a vu dans la paracha, que Amalek il poursuivait les gens qui étaient faibles, les gens qui étaient faibles, qui étaient impurs, qui étaient rejetés par du campement. Donc ils étaient derrière, ils suivaient les tribus, mais eux-mêmes ils n'étaient plus à leur place parce qu'ils étaient impurs, donc ils étaient en arrière. Alors lui, il venait à Amalek, il attrapait tous ces gens-là qui étaient en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Donc dans l'obscurité, il venait, il leur créait des doutes, il commençait à leur dire des choses sur la Emouna, sur leur capacité, et dire, mais voilà, tu vois bien que tu n'es pas capable, regarde, tous les autres, ils sont à l'intérieur, toi tu es encore à l'intérieur et à l'extérieur, tu es à la traîne là, tu es à la traîne, tu ne fais pas partie du Ham Israël, tu vois très bien, tu ne sais même pas étudier une page de Gemara, tu ne sais pas l'étudier, tu vois bien que tu es à la traîne, tu es loin derrière, donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches, etc. Il essaye d'affaiblir. Amalek, il attaque les faibles et il essaye de leur mettre des doutes. Amalek, c'est valeur numérique de safek, de doute. Amalek, c'est le doute, c'est-à-dire de semer le doute. De semer le doute, de dire voilà, est-ce que vraiment on vaut ça? Et vous arrivez à ce que vous voyez malheureusement dans l'âme Israël, il y a des gens qui doutent eux-mêmes de la valeur qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont une valeur moindre que n'importe qui sur Terre, parce que les autres nations, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord de leur donner un pays. Donc ils se disent, puisqu'on n'a pas, et tout le monde n'est pas d'accord de nous donner un pays, ça veut dire que vraiment on ne vaut rien du tout, quoi. Puisque maintenant, sur les autres, ils disent rien du tout.
Ils disent rien, ils n'ont jamais dit aux Norvégiens de quitter la Norvège, d'aller sur les, d'aller vivre sur les trucs de, dans la mer de glace. Ils leur ont jamais dit ça. Ils leur ont dit, les Norvégiens, personne n'est venu les sortir de là-bas. Pourtant, les Norvégiens, leur terre, ils l'ont bien pris à quelqu'un. Il n'y a personne qui... après Adamarichon, ça n'existait pas, les Norvégiens. Ils ont bien piqué la terre à quelqu'un. Mais nous, notre terre, on n'a piqué à personne. C'est Hachem qui nous l'a donnée. Et on veut nous l'enlever. Et ça affaiblit des gens. Il y a des gens qui en ont marre de ça. Il y a des gens qui vont habiter quelque part, ils changent de nom parce qu'ils disent « Oubliez-moi, je ne veux plus vivre comme ça. » Pourquoi vivre tout le temps dans un pays qui est remis en question par tout le monde? Moi, j'ai envie d'en vivre dans un pays qui n'est pas remis en question. Voilà, je vais aller habiter au Panama, au Guatemala, n'importe où, dans un pays où, ça y est, ce pays-là, on ne va pas venir sortir les gens de là-bas. Mais toujours dans un pays où on est remis en question tout le temps, on ne dit pas. Alors il y a des gens que ça affaiblit à l'intérieur. Ça joue, comme on dit, ça joue sur le moral. Ça va influencer la personne. Après, elle n'est pas capable de faire tout ce qu'elle pouvait faire parce que, au fond, elle a un doute. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Elle a un doute à l'intérieur. Mais quand Ibo Hashem, il y a les tzadikim, il y a la Emouna, alors on n'a pas de doute. On dit, attends, qui est-ce qui nous a amené ici? Qui est-ce qui nous a mis dans ce pétrin-là? Ben, c'est lui qui va nous sortir, c'est tout. C'est lui qui nous a mis là, c'est lui qui va nous sortir, c'est lui qui va s'occuper de nous. On n'a pas de souci à se faire. Ben, Baruch Hashem, Akosh Baruch Hu, il s'est toujours occupé d'Yom Israël, Akosh Baruch Hu, il s'est toujours occupé des gens qui cherchent la vérité. Et il n'y a pas de souci à se faire. Il faut continuer à vouloir, c'est tout. Tout notre travail, c'est d'entretenir le vouloir au maximum. Et continuer à vouloir plus, sans arrêt. Mais Zéprinat Issour Dam. Alors maintenant, il va parler du Issour Dam. Toute cette halakha qu'on fait là, Rabbi Nathan, il s'est basé sur une halakha de l'interdiction de consommer du sang. Donc maintenant, pour l'instant, il a parlé d'autre chose. Et maintenant, il va arriver au point qu'il voulait développer depuis le début. Zéprinat Issour Dam, qui a Dam ou Anefesh. Maintenant, c'est l'interdiction de manger du sang. Parce que dans le sang, il y a l'âme. L'âme, elle est dans le sang. Donc maintenant toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite grâce à des vouloirs de sainteté. J'ai des aussi une fachot de kedusha. Que ça fait des âmes saintes. Et c'est ça qui répare le sang. Et de ça dépend la geoula. La geoula dépend de la réparation du sang. Le sang, l'amélioration de la qualité du sang. C'est-à-dire des âmes qui circulent dans notre sang et qui nous donnent toutes les impulsions et toutes les sensations, c'est le vouloir. Avec le vouloir, on change le sang, c'est-à-dire on nettoie le sang des mauvais vouloirs, des mauvaises impulsions. C'est-à-dire chaque fois qu'on veut, on injecte dans notre sang des âmes positives. Donc la sortie d'Égypte, elle s'est faite avec ce vouloir positif qui est venu nettoyer le sang. Al-Yedi Tikkun Hadamim Kayadua. Par la réparation du sang, comme c'est connu, ça veut dire comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Prinat Vamar Lecha Bedamai Chai, comme on dit dans la Haggadah, on dit que je t'ai dit, dans ton sang tu vas vivre. Vamar Lach Bedamai Chai, je t'ai dit, dans ton sang tu vas vivre. On le dit ça aussi quand on fait la Brit Mila, quand on fait la circoncision, on dit ce pasouk là. Valide Kisufim. Par maintenant le vouloir de Gdusha, quelqu'un qui veut du bien, alors il nettoie son sang. Chaque fois il nettoie, c'est comme de l'effet de la dialyse, il nettoie, il purifie le sang. À chaque fois qu'il veut des choses bien, alors il nettoie le sang de tous les alluvions, de toutes les choses impures qu'il a pu prendre en s'intéressant à certaines choses qui sont pas les chemins de la Torah. Alors il a empoisonné son sang, et dans son sang il lui donne des impulsions, et ça arrive dans les 10 poux, et dans ces 10 poux là ils vont lui donner les impulsions qui sont... J'ai cherché au fait un petit peu dans les 10 poux, j'ai vu que dans Wikipédia, là-bas il parle de ces 10 poux. Il donne là-bas les endroits où il y a les poux. Il est dans la gorge, dans les genoux. Ils disent là-bas 10 endroits où il y a des poux dans le corps. On peut sentir les pulsations du cœur.
Alors maintenant, toutes ces impulsions-là, si elles sont venues par de la publicité, par des choses, par le fait d'avoir goûté certaines choses, etc., ça crée des impulsions à acheter, des impulsions à consommer, au plaisir, etc. Maintenant, comment arriver à avoir des impulsions positives? Voilà, il vous dit, en voulant le bien. Chaque fois qu'on veut le bien, on injecte dans notre sang des âmes positives qui vont nous influencer, ces impulsions positives. Qui a d'âme ou un nefesh, parce que le sang, c'est l'âme, mamash. Pour ça que vous voyez qu'on garde le sang de quelqu'un, quand Chazushalom, quelqu'un il est décédé, alors s'il y a du sang à lui et autre, on l'enterre avec lui, parce que son âme, elle est dans son sang. C'est-à-dire, dans le sang, il y a l'âme de la personne, c'est là où elle vit, l'âme. Le sang, c'est l'âme, mamash. Alors maintenant, le sang est purifié par des vouloirs positifs, alors là, le sang, il se transforme et il devient du lait, comme une maman. Une maman, une fois qu'elle a un bébé, alors le sang qui devait être normalement du sang, qui était du sang de Nida, du sang de ses règles, ça devient le lait avec lequel elle va donner à manger à son bébé. Chez Uprinat Nekudot à Kesef, que ça c'est les points de Kesef, c'est-à-dire les points d'argent. Kesef ça veut dire argenté, et ça veut dire aussi Kesef Kisufim, vouloir. C'est-à-dire cette blancheur-là de l'argent, c'est le vouloir qui a transformé le sang en lait. Prinat Mouchach Ivarta Kekaspa, comme c'est écrit, le cerveau qui est blanc comme l'argent. Chez Misham Nimshach Lavnunit Adamim, que de l'esprit il va y avoir un blanchissement du sang. Ça, on l'avait vu dans une Torah avant, que dans la Torah 29, que maintenant le sang, il se transforme en lait. Comme Hachem, il a dit, voilà, je vous donne une terre, dans cette terre-là, il coule le lait et le miel. C'est-à-dire que il coule le lait, c'est-à-dire que c'est une terre qui va vous aider à transformer le sang en lait. Donc le sang, c'est à l'état brut, ce sont des impulsions vers la consommation, vers les plaisirs de ce monde, vers tout ce qui est animal. Et quand le sang il reçoit des âmes positives par le fait qu'on a exprimé du vouloir positif, alors on purifie, à chaque fois on nettoie le sang, et ce sang après il devient blanc, mamache. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient blanc? Ça veut dire que maintenant il va nous alimenter en chorma. Au lieu de nous alimenter en impulsion de consommation, il va nous alimenter en sagesse. C'est-à-dire quand le sang il va tourner en nous, il va nous donner des chidushim de Torah, des choses, des concepts nouveaux qu'on va arriver à vivre avec ces choses-là, etc. Tout ça, ça va se faire par l'intermédiaire du sang, parce que le sang il aura été purifié. Alken asur lechol dam. Alors, Bezant Hashem, on continuera demain que c'est asur lechol dam. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger du sang. Ce passage-là, on fera demain, Bezant Hashem.